Tu vois, tu peux parler qu'au passé, quoi, du hip-hop. Tu peux en parler qu'au passé parce que les gens, il y a beaucoup de trucs qui comprennent pas. Qui comprendront jamais parce que je sais pas comment expliquer ça. Faut pas en parler de ces trucs, tu vois. Faut les avoir vécu pour comprendre. Et pour le faire avancer, il faudrait que tout le monde se cultive un petit peu et reconnaisse l'influence que le hip-hop il a eue et reconnaisse aussi un peu la raison d'être de ce mouvement. C'est une raison sociale, ça c'était fait pour permettre à une certaine catégorie de la société de se prendre en main, de se reconnaître des qualités et des valeurs et d'aller de l'avant. D'où cette idée futuristique qu'ils avaient développée déjà à l'époque, tu vois. C'était d'aller de l'avant, c'était jamais d'être en arrière. Alors que maintenant, c'est dommage, quand on parle de hip-hop, on parle de old school, tu vois. Donc déjà, quelque part, c'est un peu paradoxal parce que l'idée du hip-hop, c'était toujours aller de l'avant, tu vois. Et c'est là que c'est difficile d'en parler, quoi. Le hip-hop est né dans les années 70 à New York, au cœur des quartiers noirs et hispaniques, avant de se diffuser de par le monde. En Europe, certains de ses pionniers sont français et allemands. Afin de mieux comprendre cette vague déferlante, 30 ans après, nous avons voulu rencontrer pour vous des acteurs de cette épopée, parmi ceux qui ont contribué à faire de cette culture un élément incontournable de la vie urbaine. Ce que j'aimais dans le hip-hop quand j'ai commencé, c'est que pour moi ça représentait une grande alternative. Une alternative à ce que j'apprenais à l'école ou à ce que j'apprenais à travers le système. Et pour moi, je sais pas, c'était si énergique et si différent que je me suis mis tout de suite. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que en fait c'était une culture qu'on t'apportait avec différentes formes d'art. Si tu aimais la peinture, si tu aimais dessiner, alors tu avais les graffitis. Si tu aimais faire de la musique ou si vraiment tu étais dans la musique et que tu savais écrire des rimes, alors tu avais le rap. Et si tu savais comment bouger ton corps, alors tu avais la danse. En fait, pour presque chaque personne sur Terre, il y avait un moyen de devenir créatif et c'était si nouveau que c'en était révolutionnaire. Quand j'ai vu le concert New York City Rap, j'ai voulu être breaker, j'ai voulu faire taper des graphes, rapper et tout. J'ai commencé par tout faire à la fois et bon, il s'avérait que c'était surtout aux platines où j'avais quelque chose à faire, quoi. Ouais. Été 83, je m'en souviens bien. Et mon cousin l'avait ramené justement une cassette vidéo des Américains, c'était les Roxy du Crew avec Futura 2000, il y avait Africa Bambaataa, il y avait qui? Il y en avait plein quoi, il y avait Mr Freeze et tout ça, dans cette cassette qui était passée justement pour en tournée en France et tout ça, et ils avaient eu l'occasion de les filmer quoi. Donc j'ai pu voir là justement le Smurf, Mr Freeze taper ses mimes et tout, c'était trop mortel, tu sais, pour moi c'était. J'avais l'impression que, je sais pas moi, c'était pas normal ce que je voyais quoi. Tu sais, des illusions, des effets et tout dans les mouvements.
je devenais fou quoi. Et quand j'ai vu les breakers, les mecs tourner sur la tête, taper des coupoles, tourner sur le dos, alors là je suis tombé dedans quoi. Dès que j'ai vu ça, tout j'ai essayé, hein. Je suis sorti, j'étais dans mon couloir et tout, j'ai essayé de tourner sur la tête, je comprenais pas, je tombais. Je dis non, c'est pas possible, c'est du trucage ou quoi, tu vois. Et en fin de compte, c'est à partir de là quoi, que j'ai dit non, ça c'est mon truc, quoi, faut pas que je lâche. Un truc que j'avais kiffé à New York dans certaines soirées, c'est de voir sur des tables, au lieu de voir les mecs en train de picoler des verres, de voir des mecs avec leur cahier et en train de taper les graphes. Quoi. Et là, ça fait plaisir. Tu vois, les mecs sont en train de bouger la tête sur ce que tu joues et en même temps, ça les inspire pour faire des graphes. Et là, tu te dis, ouais. Et d'un autre côté, tu as un petit cercle avec les mecs qui break. Là, tu te sens bien, quoi. Donc, j'ai pu voir tout en même temps, quoi. C'est pas que j'ai vu d'abord le break, après, j'ai vu le tout. Donc, le tout, j'ai aimé tout de suite, quoi. Je faisais pas de différence quoi. En premier, ceux qui l'ont repéré, l'endroit, c'est qui? C'est les graffeurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait des grands murs, tu pouvais faire des beaux graphes. Et donc, les premiers squatteurs du terrain de la chapelle, c'était les graffeurs. Et de là, il y a eu cette réunion de rappeurs, de graffeurs, de danseurs, de DJ. Il y avait Dynasty qui était là et qui faisait déjà mal à la tête avec ses... Très fort. Comment on avait fait pour trouver ce terrain? Parce qu'à la base, c'était un terrain vague pour les graffeurs et tout ça, mais il n'y avait pas de coin pour danser. Et un jour, je m'en souviens, on avait eu une galère. Je crois que c'était à la salle Paco Rabanne, ils ne nous avaient pas laissé y rentrer. Parce que j'étais avec un copain de Blanc-Ménil, il était mineur, donc il ne voulait pas le laisser rentrer. Et nous, on s'est dit, ouais, bon, viens, on va faire un tour au terrain vague, quoi, de la chapelle et tout ça. Et on avait vu justement une cabane. Tu sais, il y avait une maison juste derrière, il y avait les rails, il y avait une maison qui était cassée. Et nous, en cherchant, on a vu qu'il y avait un peu de carrelage, donc on a tout nettoyé la place. C'était une grande place, en fait. On l'avait nettoyé et tout ça, et à partir de là, on s'est lancé, qu'on s'est mis à s'entraîner là. Moi, je trouvais que c'était un petit peu crade quand même. Mais tu rentrais chez toi, crade, voilà, c'est tout. Mais je pense que ce truc-là, c'est fort, quoi. Tu viens, tu dis, oh, c'est crade et tout, tu mets tes mains, mais tu vois les autres, ils le font, et tu te dis, voilà, ils le font, pourquoi pas moi? Et puis tu rentres dedans et... Et même si tu te plantes, même si t'es pas bon, ou que tu sois bon ou pas bon, ça ne change en rien, quoi. Le truc, c'est que tu kiffes. Et après, il y avait des Zulu parties tous les samedis là-bas, fait par Dynasty, avec des Roy Human, Johnny Go qui rappait et tout ça. Je m'en souviens de Dynasty qui ramenait son truc à moteur là. C'est quoi? Le groupe électrogène et tout ça, et on faisait de la musique à partir de là, quoi. Et on s'entraînait là, tranquille. C'était vraiment l'endroit hip-hop. Et à mon avis, c'est là que le vrai hip-hop il a commencé. Parce qu'il n'y avait pas de commerce, il n'y avait rien de commercial, il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien. Et franchement, s'il n'y avait pas cet endroit, je pense que le hip-hop, il serait... En Europe même, je ne sais pas si ça aurait tenu comme ça tient maintenant. Parce que cet endroit, même les étrangers, ils y venaient, tu vois, par la suite. C'était la Mecque en Europe. C'était un passage obligé, quoi, si tu voulais savoir ce qui se passait. Les gens, ils donnaient rendez-vous là-bas. C'était vraiment le lieu, quoi, tu vois. C'était vraiment le lieu de rencontre.
ou de passage. Il y avait le métro juste en face, tu passais en métro, tu regardais s'il y avait quelqu'un, tu voyais les nouveaux graphes, si tu voulais t'entraîner au break, tu voyais les breakers du métro, quoi. Tu vois, c'est vraiment bien, c'était un lieu aujourd'hui mythique, mais c'était vraiment le lieu, sous tout rapport, tu vois, qui était, il y avait une vraie identité urbaine déjà à l'époque. Toute personne, quand il rentre dans le hip-hop, enfin pour l'époque, tout le monde a commencé par le graffiti, par le tag. Par le tag, avant de trouver vraiment son élément. Et malgré ce qu'on dit, que c'est un truc, c'est un truc, c'est vandale, ou je sais pas comment on appelle ça. C'est un truc qui détériore le matériel public et tout ça. Mais c'est un truc qui a fait beaucoup pour la culture hip-hop. Je crois que s'il n'y avait pas ça, dans l'état d'esprit et dans la mentalité des personnes, ça n'aurait pas évolué. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, de toute façon, on avait tous obligé, à un moment donné, tu vois, d'exprimer sa rage d'une manière ou d'une autre. Et à cette époque-là, c'était le tag. Et tout le monde taguait. Une personne qui me dit qu'il n'a pas tagué à cette époque-là, c'est... En fait, c'est le côté old school. Hein. Donc, comme à l'époque, quoi, avec les vieux survêtements Adidas bleu passé, là, un peu, tu vois. Et avec l'ambiance, quoi, les cercles que les gens y formaient, tout ça avant, avec tous les gens qui crient, oh, à chaque fois que tu fais une bonne phase, tu vois, t'as les gens qui crient. Et même les tons, d'ailleurs, ils sont passés, d'ailleurs. C'est voulu, c'est fait exprès. C'est parce que c'était une époque, en fait, tu vois. C'est pour ça. Et en fait, ça rejoint un peu ce dessin-là aussi, là. Tu vois. Là, c'est tout ce qui me reste, en fait. C'est une toile que j'ai vendue, tu vois. Mais... Et bah là, c'est un gars qui fait... ça exprime la vitesse, tu vois. C'est un gars qui fait la coupole. Et donc, on voit bien le cercle et tout ça, avec les gars qui sont un peu... Ils kiffent, quoi. Ils crient, ils sont choqués, tu vois. À chaque fois, je suis toujours aussi étonné qu'en fait, ça évolue vachement. À un moment, tu te dis, c'est bon, là, ils ont tout fait, il va plus y avoir, c'est plus possible, quoi. Ils peuvent plus créer des pas et tout ça. Je me rappelle que le hip-hop au départ, il y a beaucoup de Robeux et de Renoir qui se foutaient de notre tête. Hein. Le mec des cités, il se foutait de ma gueule moi quand j'entrais dans ma cité. Tu vois, c'était pas du style. Maintenant, dans toutes les cités, les mecs c'est soit des rappeurs ou soit. Enfin, la plupart c'est des rappeurs ou des DJ quoi. Mais c'était pas le cas à l'époque. Peut-être ta gueule, tu vois. Hip-hop, arrête, tu perds ton temps et tout. J'ai dit non, je perds pas mon temps. Je le fais pourquoi? Je perds mon temps, je le fais parce que j'aime faire ça. C'est comme si toi, tu vas jouer au foot parce que tu kiffes faire du foot. Moi, j'aime pas le foot. Tu kiffes faire du foot, va jouer au foot. Moi, je kiffe la danse, je vais danser, c'est tout. Et puis voilà, donc plusieurs fois, j'ai eu des petites prises de tête avec des copains. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que c'était mort et que moi, je sais que dans mon cœur, il n'était pas mort. Alors pourquoi? Même si je suis tout seul sur la terre à le pratiquer, il est encore là puisque je le pratique. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a eu un mixage quoi, qui s'est mal fait. Et les vrais mecs, ils n'ont pas compris ça. Quoi. Ils n'ont pas compris ça. Moi, je crois qu'il y a très peu de personnes qui ont compris ce que c'était vraiment le hip-hop. Quoi. Je parle du hip-hop, je ne parle pas des disciplines parce que je n'ai pas envie de m'éterniser dessus. Mais moi, je vois beaucoup de trucs maintenant. Je vois des mecs danser. Moi, ça ne me fait rien. Tu
tu vois. Je vois des mecs rapper, ça me fait rien, je vois des DJ. Pareil que dans le graphe, des gens, des trucs très techniques, mais moi ça me fait rien du tout, quoi. Parce que il n'y a pas cette vibe, tu vois. Il n'y a pas cette âme, quoi, qui te fait avancer. Et ça, c'est important. Même des fois, ça m'arrive de parler avec des jeunes, tu vois, de l'état d'esprit, parce que tu vois, j'ai ça en moi. De la Zoo Nation, du respect, des valeurs. Des gens, ils me rigolent au nez. Indirectement, mais ils me rigolent au nez. Ils me disent, mais attends, mais de quoi tu me parles? Nous, on s'en fout, ça. Nous, on n'a pas connu ça. Nous, tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit maintenant. C'est le break, c'est la réputation. Ouais, on défie un tel, on défie un tel, juste l'histoire de se faire un nom. Ouais, il y a les scènes, on se fait de l'argent. Alors que nous, on a cru en des choses qui nous ont fait avancer, qui nous ont fait avancer, mais sans sauter les étapes. C'est un peu rapide tout ça, quoi. Je sais pas ce qui va rester de toute cette nouvelle génération de DJ qui sont des bons techniciens, mais je sais pas où ça va aller, quoi. Est-ce qu'ils ont beaucoup de choses à raconter, quoi? Il y a eu un manque de respect total, il y a eu des oublis, quand je vois les nouvelles générations, tu vois, ils sont prêts à défier des anciens qui sont là depuis un certain temps, alors que les gens, ça fait quoi? Ça fait 3 mois, 4 mois qu'ils dansent. Les gens, ils ont encore rien appris de la danse, rien. Ils ont encore tout à apprendre et les gens, ils croient que parce qu'ils font une coupole ou parce qu'ils font un Thomas, ils ont tout appris de la danse, mais en fin de compte, non. C'est vrai qu'aujourd'hui, un breaker va venir, il va être épaulé d'un autre breaker au-dessus de lui. Au bout de 6 mois, 1 an, ça peut être déjà un bon breaker dans les phases. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a la danse aussi. Et les mecs, ils viennent en 6 mois, 1 an, ils apprennent, ils montent. Et après, ils pensent qu'ils sont invincibles, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Et ça tue, quoi. Ça tue quoi? Ça tue la danse, parce que c'est plus de la danse maintenant, c'est de l'exécution. Tu comprends ce que je veux dire? Avant qu'il y ait la danse, il y a d'abord l'état d'esprit. Et si t'as pas l'état d'esprit, tu peux pas évoluer correctement. Tu comprends? Cet état d'esprit-là, on a essayé de le garder. Tu vois, quand tu regardes un peu tous les anciens, tu vois, là je dis vague un peu, quand tu regardes un peu tous les anciens, on l'a cet état d'esprit-là. Maintenant, je veux pas dire que... Les jeunes de la nouvelle génération ont cet état d'esprit-là, quoi. Ça a dû évoluer, comme le hip-hop, comme la danse, elle a évolué. Mais l'état d'esprit, il a évolué en mal, quoi, moi je dirais plutôt. C'est pas comme les mouvements, ils ont évolué, le hip-hop, le break, il a évolué considérablement. Mais l'état d'esprit, il a évolué, mais en mal. J'aurais préféré le contraire, quoi. Parce que ce qui nous rassemblait, justement, c'était cet état d'esprit-là, paix, respect, tout ça, quoi. Et ça s'est perdu, quoi. Maintenant, c'est plus business, genre l'argent. C'est autre chose, quoi. On a vraiment oublié le côté l'âme du mouvement, quoi, du hip-hop. Donc, pour moi, le reste, c'est zéro, quoi. Like a boat in a storm, Spider D. We rock peanut butter MCs. Must stay locked to see out in the cold. Or maybe the dog can take your blade out on itself. C'est hyper rare maintenant de retrouver des soirées où il y a l'ambiance qu'il y avait avant. Voilà. C'était plus un échange de mouvements, un échange de styles. Tu montrais ce que tu savais faire et l'autre personne aussi. Tu vois, tu lui portais un intérêt. Maintenant, c'est « Ah, ce que tu fais, c'est naze », mais c'est pas comme ça que ça se passe. Même au niveau du son, les gens sont vachement plus fermés qu'ils ne l'étaient avant. Et il leur faut ce qu'ils ont. À la limite, le public rap devient comme n'importe quel public. Il faut qu'ils entendent fort les disques qu'ils ont déjà chez eux. Et ils sont plus prêts de découvrir d'autres choses. Il faut leur imposer, il faut le faire en loose des sans qu'ils s'en rendent compte, quoi, à la limite. Voilà, tu mets une nouveauté, tu mets 3 trucs inconnus, tu remets 2 nouveaux... Non, je veux dire, tu mets un truc classique, genre un Busta Rhymes, off, trois... Faut arriver à doser comme ça, mais à un moment donné, il faudrait que tu leur mettes le pavé de ce qu'ils entendent partout déjà. Et ça me gonfle un peu. Il y a aussi un autre truc qui est gonflant, mais bon, c'est en train de changer un peu. Et je pense que ça y fait vachement aussi sur l'ambiance et sur la danse en général. C'est la vitesse du rap actuel qui est calculée pour que les mecs, les rappeurs puissent poser leur flow bien dessus. Mais au niveau de la danse, je trouve que c'est... D'ailleurs, avant, il y avait de la diversité dans un album de rap. Tu avais des morceaux à toutes les vitesses. Et quand tu faisais une soirée, bon bah tu t'arrêtais pas de voyager entre du lent, tu montais rapide, paf, après tu recassais avec un truc bien lent, et c'était hyper intéressant, quoi. Tu pouvais te balader
Tu passais les trucs avec des samples de James, après tu faisais une petite série soul pour marquer le. Pour mettre les trucs qui ont été samplés, après tu passais dans l'électro, enfin t'arrivais, c'était un vrai voyage. Et maintenant, bah, tu te cantonnes. C'est plus. Plus limité à un peu toujours la même chose. Et bon, tu te fais une soirée de 6 heures à jouer que du 90 BPM, à la fin tu deviens neurasthénique, quoi. À part les breakers, il n'y a personne qui kiffe le son rapide, quoi. C'est ça qui est... Dès que ça monte, même les gens, on dirait qu'ils ne savent plus comment bouger là-dessus. On dirait que c'est trop, ça les fait trop sautiller et ils ont peur de se taper la honte ou je sais pas. C'est bizarre, quoi. C'est vraiment quelque chose de fort, quoi. C'est pas que deux mots, quoi. C'est pas hip et hop, quoi. Les deux mots font quelque chose, quoi. C'est une école de la vie, c'est un truc global, quoi. C'est social, c'est un peu politique, c'est un peu religieux, c'est une école un peu comme à l'époque des Grecs ou des Romains, tu vois, pour éveiller la personne spirituelle qui est en toi. En voyageant de pays en pays, j'ai toujours eu la sensation que ma nation allait être la nation hip-hop. Ouais, c'est ma nationalité. Ma nationalité n'est pas vraiment allemande, je suis un hip-hopper. Le hip-hop, il est encore là, il est en moi et je pourrais pas l'enlever, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis tatoué, quoi, et c'est à l'intérieur, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un truc que tu peux pas l'enlever, c'est dans ton corps et c'est comme ça. Le hip-hop, dans le hip-hop, il n'y a pas on commande, il n'y a pas on te dit ceci ou on te dit cela. Tu fais ce que tu as envie de faire. Et si tu le fais avec ton cœur, c'est encore meilleur. Enfin, je sais pas, le hip-hop, c'est un ensemble. Tu es obligé de t'intéresser aux autres éléments. Je trouve que c'est ça qui fait la. Si chacun est dans son domaine, ça n'a pas de sens, quoi. Si c'est pour ouvrir un livre et que que la moitié du livre, tu le refermes pour en ouvrir un autre. Ça sert à rien. Dans l'hip-hop, c'est pareil. Hein. Si tu commences une discipline et que tu commences à sauter beaucoup d'étapes, à un moment donné, de toute façon, tu seras obligé de revenir aux sources. Tu seras obligé de revenir aux sources et rouvrir le bouquin et puis regarder ce que tu as sauté et repartir depuis le début. Quoi. Les valeurs ne se sont pas perdues. C'est les gens qui rentrent dedans. Il y a tellement de gens qui rentrent dans le hip-hop aujourd'hui. Comme ça, ils pensent qu'ils rentrent là-dedans comme ils vont à la NPE ou ils vont à l'école. Tu comprends ce que je veux dire? Et le hip-hop, tu rentres dedans, n'importe qui peut rentrer, n'importe qui peut en sortir. Mais maintenant, dans le hip-hop, il y a plus de parasites que de gens qui sont authentiques. Le hip-hop va dépendre de eux, hein, des nouvelles générations. Le hip-hop va dépendre de eux. Si eux, ils font pas attention à où est-ce qu'ils mettent les pieds, à tout ce qu'ils font, tout ce qu'eux, ils ont construit durant leur pratique et tout ce que les anciens ont pu faire pour en arriver là, tout va s'écrouler, tout. Moi, je pense que le hip-hop, c'est quelque chose qui s'auto-guérit, quoi. C'est-à-dire que on arrive dans la mauvaise passe, mais même si elle sera plus médiatique ou quoi, mais elle redeviendra petit à petit, elle redeviendra réelle parce que ces petits aujourd'hui, ils vont grandir et ils n'auront peut-être pas tout à fait la même pensée que nous, mais ça sera toujours dans une bonne direction, quoi. Et parce que suivant leur expérience qu'ils ont eue là, aujourd'hui, plus tard, s'ils sont encore là, il y aura les mauvaises choses
ils les mettront de côté et les bonnes choses, ils gardent, dans les mauvaises choses, ils garderont tout ce qui est de bon pour pouvoir avancer. Et en fin de compte, c'est ça le hip-hop, quoi. La valeur change, mais elle ne se perd pas.